Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les potes, nous allons faire une expérience, on va dire plus, on va examiner un appartement que je vais acheter dans cette vidéo. Donc nous allons voir si cet appartement vaut la peine. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire dans cet appartement? Est-ce que c'est propre? Voilà quoi. Comment ça se réalise dans cet appartement? Est-ce qu'il est vraiment parfait pour pouvoir l'acheter? Donc les potes, j'ai trouvé un appartement qui vaut 100 000 dollars. Donc on va voir s'il vaut la peine d'être acheté. Le voilà, il s'appelle San Vita Triste. Donc on va voir si cet appartement vaut la peine d'être acheté. Hop, je l'achète tout de suite et je mets dans cet appartement qui est juste ici. Donc je vais juste perdre 27 000 dollars. Donc c'est bon, donc c'est pas grave. Donc normalement j'ai la maison maintenant. Oui, il est juste là. Le voici, il est juste ici. Donc là maintenant je vais voir est-ce que cet appartement vaut la peine les potes. On va voir si l'examen passe hyper bien. Mais avant que j'aille dans l'appartement, il me faut un vêtement pour pas que mon joueur tombe malade. Entre parenthèses. Bon là les potes, je suis habillé, je suis voilà quoi, je suis équipé pour pas que je suis malade ou bien que je me salisse. Donc nous allons voir dans l'appartement si l'appartement vaut la peine. Donc j'espère que l'appartement serait vraiment pas mal parce que comme ça s'il est pas mal je peux vous conseiller. Et aussi je vais voir aussi si on peut avoir l'extérieur dans cet appartement. Donc on se retrouve dès qu'on est devant l'appartement. Bon, là on est devant l'appartement. Donc en vrai cet appartement franchement pour l'instant ça passe hein. C'est pas non plus extraordinaire. Donc c'est une preuve pour l'instant que oui ça fonctionne bien. Donc est-ce que vous êtes prêts? On rentre à l'intérieur, nous allons voir comment ça se réalise. Let's go! Bon, alors pour l'instant, il y a une photo qui est juste ici, c'est une photo de groupe. Donc il y a une dame avec un monsieur qui est ok, qui est devant le tequila. Donc ok, ça c'est pas mal. Ensuite on a un monsieur qui s'est reposé, ok, vers le quai. Ok, d'accord, donc ça reste un monsieur. Ensuite, la cuisine, franchement, c'est propre. Bon, il y a une assiette, mais bon, ça, franchement, je peux rien faire. Ensuite, on a des céréales qui s'appellent Rails. Ah ouais, un céréale Rails. Attends, je prends une photo pour voir de près comment il est là. Comment il est le. Ah non, mais ça ressemble plus du savon que du céréale. Bon, enfin, bref, on n'est pas là pour ça. On a les bougies, dommage qu'on ne peut pas les souffler. Ensuite, qu'est-ce que nous avons encore? Oh, mais le salon a plein de fumée, c'est quoi ça? Il y a plein de fumée dans le salon. Ok, donc là, il y a une télé très ancienne. Ensuite, on a le petit chauffe-eau, donc ok. Ensuite, nous avons un petit truc de chicha. Bon, on verra ça après. On a une table magnifique hein, quand même, hein, une table pas mal. Dommage que c'est pas propre parce que quand on achète un appartement, normalement il faut que ce soit hyper propre. Mais là, je sais pas pourquoi il y a un genre de cahier ou bien un genre de tasse, voilà quoi, avec voilà. Donc bon, c'est pas grave. Hein. Nous allons voir la chambre. Donc dans la chambre, il y a une, ok, y a un petit, on va dire un petit tableau qui s'appelle Un américain divorce. Ok, donc l'argent est déchiré en deux avec un truc qui est juste là, je sais pas c'est quoi. Ouh, pas mal de chaussures. Après nous avons plutôt le petit DJ, donc c'est un DJ si je me trompe pas, parce qu'il y a le truc de DJ avec une télé, une console. Ah ouais, mais ça ressemble à une PS4 les gars. Les gars, ça ressemble à une PS4. Les gars, ça ressemble à. Mais c'est une PS4, les gars. Ah ouais, ok. Je joue à la PS4 et le jeu est dans une PS4. Ok. Donc, ok, d'accord. Ah ouais, franchement, pas mal, hein, pas mal. Ok. Bon, là, j'étais surpris, les gars. Hein.
Ah ouais, franchement, une PS4. Wow. Ensuite, nous avons une petite armoire. Ça, c'est quoi ça? Ok, c'est un truc pour jouer au golf. Donc, d'accord, c'est un monsieur. Ah, mais il est stylé aussi, hein, ce truc. Bon, là, c'est la chambre. Ensuite, ici, c'est quoi? Ici, je pense que c'est les toilettes. Nous allons ensuite, ok, dans la salle de bain. Dans la salle de bain, il y a, ok, pour se laver les mains avec une belle petite miroir, pas mal comme miroir. Franchement, il est bien propre, hein. Il est plus propre pour l'instant. C'est le seul miroir que je vois propre. Ensuite, nous avons une petite toilette en bleu avec deux serviettes. Ok. Ensuite, ça c'est la douche. Voilà quoi. Tout le monde connaît c'est quoi la douche. Ça c'est pour régler la douche si je ne trompe pas. Et franchement, la douche est aussi pas mal. Hein. C'est propre aussi. Le sol aussi il est propre. Bon, là c'est une douche qui est vraiment pas mal. La chambre aussi, il est pas mal. Le lit est un peu mal arrangé, mais bon, ça c'est pas grave. Ok, bon, pour l'instant, pour 100 000 dollars, ça va, hein, ça vaut un peu la peine. Mais on peut pas faire grand-chose à part juste boire une bière. Donc on va boire une petite bière quand même, parce que j'ai acheté cet appartement à 100 000 dollars. Donc je mérite de boire un peu. Voilà, thank you. Alors, ouais, on va prendre aussi un petit chicha aussi. Hop, un petit douille, pardon, j'ai dit un petit chicha. Pourquoi j'ai dit un petit chicha, c'est une douille. On va se rappeler plaisir parce que, bon, on a payé pour ça et après on va déménager juste après. Et je vais voir si la télé fonctionne. Je veux voir si la télé fonctionne. Lève-toi là. J'espère que la télé fonctionne. S'asseoir. Est-ce que la télé fonctionne? Oh, la télé fonctionne. Ah ouais, pas mal. Bon, Rockstar toujours en train d'abuser. Ok, là c'est la télé pour. Ok, ça c'est de la pub. Bon, ok. Donc, pour l'instant, cet appartement, ça va pas vraiment très sale. Et en parlant de ça, je vois que le sol est déchiré, donc ça perd des points quand même parce qu'il faut que le sol soit propre. Pourquoi il y a un petit tapis qui est genre comme ça? Je ne sais pas. C'est bon, ok, bon. Franchement, ça va, hein, ça va, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc l'appartement est bien, mais il n'y a pas grand-chose dans cet appartement, à part juste dormir, voilà quoi, dormir, boire de la bière et prendre une douille et regarder la télé. Voilà. À part si les gens préfèrent cet appartement pour faire du RP, oui, ça vaut quand même la peine. Donc, l'examen, franchement, je mets une petite 2 étoiles sur 5 parce que il manque des choses quand même, hein. Il manque des choses, mais c'est propre, mais il manque des choses. Donc, dites-moi dans les commentaires quelle note vous avez donné. Donc, vous avez noté sur 10. Pour moi, c'est un petit 4 sur 10. Mais dites-moi dans les commentaires combien de notes vous allez mettre pour cet appartement qui est, on va dire, en dehors pas mal. Donc, sous ce les frérots, moi je vous dis à tout à l'heure et ciao ciao!